Donc, un petit cours d'astrologie charismatique et d'échelle des âges. C'est la nouvelle martingale de l'astrologie au XXIe siècle, qui tranche considérablement avec l'astrologie du siècle précédent, pour des raisons que j'ai d'ailleurs exposées à différentes reprises. À savoir que la configuration astrale, même configuration astrale, n'aura pas du tout la même portée selon les personnes qui la porteront, qui l'incarneront, cette configuration. Si on désigne telle personne pour telle activité à un moment donné, eh bien, selon le choix de la personne, l'activité n'aura pas la même portée, la même signification. Pour une personne qui sera dans une phase 1, comme j'ai exposé dans une vidéo, on sera dans un démarrage de quelque chose de nouveau et qui pourra avorter, qui pourra ne pas aller jusqu'à son terme. Et si on met en revanche quelqu'un pour terminer quelque chose qui a déjà été engagé, à ce moment-là, il faut choisir une personne qui a l'âge approprié, qui a l'âge adéquat. C'est une évidence. Donc, vous voyez là qu'il y a une marge de manœuvre très importante et que c'est un outil de travail tout à fait remarquable et pertinent et percutant pour chaque fois qu'il y a un choix à faire au niveau du recrutement. Je dirais que d'une certaine manière, l'astrologie charismatique est une astrologie qui correspond tout à fait à la problématique du recrutement. Recrutement à la fois dans l'entreprise, mais recrutement aussi, par exemple, pour le choix d'une tête de liste. Par exemple, ce qui s'est passé aux européennes, eh bien, si on avait choisi une autre tête de liste pour les Républicains ou pour la France Insoumise ou pour le Rassemblement National, avec un autre âge, parce que là, on a choisi une catégorie d'âge particulière, assez jeune. Eh bien, on aurait eu des résultats différents. Donc, ce n'est pas du tout indifférent, c'est qu'à le dire, de choisir correctement. Et ce n'est pas simplement en regardant le thème natal de la personne qu'on peut le savoir. Ça, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Il s'agit tout simplement de savoir si la personne a un certain âge et deuxièmement, bien entendu, qu'elle a une capacité de leader, une capacité charismatique. Parce que si on n'a pas un certain charisme qui s'est déclenché déjà autour de la vingtaine, eh bien, on ne rentre pas dans le schéma de l'astrologie charismatique, tout simplement.